C'est-à-dire que j'ai commencé pour très peu et chaque année j'ai augmenté jusqu'à présent. Et voilà, cette année c'était la crèche, c'était la grande nouveauté. Ça fait 2 ans que j'avais envie de le faire. Et voilà, j'ai réalisé beaucoup de filles que j'ai reçues, de petits mots, de petits enfants. Ça en a beaucoup. Alors une question que tout le monde se pose, qu'on peut lire un peu partout, combien ça vous coûte en électricité ? Eh bien, c'est pas difficile, c'est autour de 300 euros. Je ne regarde pas ça parce que je ne fume pas. Non, je ne regarde pas la dépense. Voilà, parce que j'ai le château, et ça m'a coûté 800 euros, rien que de matériel. Oui, je suis à tous nos lecteurs. Oui, voilà. De Lourdes-Actu, tout à l'ensemble de la ville, pour exemple, tous les autres qui s'arrêtent et admirent. Ça aussi, ça me fait plaisir, ouais, parce que des fois, même de Belgique, ils m'ont laissé un mot de Belgique. Donc hier, nous sommes encore passés, nous venons de Pierrefitte, et chaque fois qu'on passe, on s'arrête, c'est la magie. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc hier, on les a vus là-haut, on a applaudi, et il faut leur dire que c'est super. Franchement, c'est magnifique, c'est beau. On ne peut pas dire que c'est beau. C'est de la magie. C'est vraiment. Alors moi je suis venu. Je suis passé dimanche dernier. Et j'ai dit cette semaine, je passe et je le filme. Aix-en-Provence. Et je vais vous dire, j'en ai jamais vu des décorations. Mais jamais comme celle-là. And so this is Christmas.